On va changer de musique. On va enlever ça. On va en mettre une autre. Voilà. Hop. Allez, hop, au hasard, on va mettre. Alors, on va mettre ça aujourd'hui. C'est ça. C'est parti, on y va. C'est parti, alors on commence avec du cardio. Donc, pas besoin de tapis pour les deux. Je vérifie. Non, il n'y a pas besoin de tapis là pour les deux séances. Là. Les deux séries, je veux dire. On y va, c'est parti. Allez, cardio, hop, on envoie, j'envoie le son. Allez, vous avez 10 secondes. Allez, on est parti, on est en course. Allez, petite course, on se met en place. On se chauffe un peu le corps. Allez, petite course, 20 secondes là, 30 secondes. Il reste 20 secondes, je voulais dire. Allez, on se chauffe, on détend un peu les bras. On chauffe un peu les mollets, on bouge un peu les cuisses. On s'active un petit peu. Ok, allez, on va passer sur la course latérale. C'est parti. Allez, côté. Hop, des petits sauts sur le côté. Voilà, celui-là, on ne l'a jamais fait encore. Allez, on va chauffer le côté des cuisses. Échauffe les genoux. Alors, on enchaîne. Allez, encore 5 secondes. Allez, on enchaîne avec les montées de genoux. Ok ? Allez, on reprend, on relâche un petit peu. Dans 3 secondes, on enchaîne. C'est parti. Allez, montée de genoux. Tranquillement, chacun à son rythme. Hein. Allez, derrière vos écrans. Allez, 15 secondes. Allez, hop, tiens, on est remonté de genoux. On va enchaîner avec le pas du patineur. Moi, tout le monde le connaît. Allez, on commence à être chaud. On se détend. On détend les bras. On détend les jambes. Et on va enchaîner. À droite, d'accord, à gauche. On vient toucher son pied comme si on patinait sur la glace. Ok, hop. Allez, à droite, à gauche. C'est parti, on enchaîne. Allez, on se bouge. L'objectif, c'est de se bouger là, tous ensemble. On s'active. Allez, encore. Allez, encore 5 secondes. On continue. 3, 2, 1, ok. Rest. Allez, 5 secondes. On enchaîne avec des jumping jacks. Ici. Et on envoie derrière la tête. Les jumping tranquillement. Ah, je vous ai dit, on est en cardio. On respire. La respiration s'accélère. Et on commence à chauffer. Là. Allez, on continue. Allez, on écarte tout ça. Jumping jack. Tranquillement. Avec un sourire. 3, 2, allez, one, derrière la tête. Rest. On envoie, on touche les cuisses, on touche la tête. 3, 2, ok. One, on continue. Work. Ok. On relâche. On enchaîne en ciseaux. Allez, des petits ciseaux. On descend un peu là pour chauffer un peu les cuisses et les fesses. Discute de toi. Tout à l'heure, on va muscler les fesses, je vous l'ai dit. Allez. Allez, on continue. Tous ensemble. On est en ciseaux. Voilà, regarde le vent. On est droit. Les épaules pas en arrière. Allez, on souffle. Et ok. On respire. On va faire une petite pause. Et on enchaîne, attention. On enchaîne tout de suite avec la deuxième série. On y va. Petite fréquence. Et on saute. Allez, petite fréquence. Et on saute. Les jambes serrées. Hop. Ok. Encore. Petite fréquence. 3, 2, 1. Saute. Ok. Fréquence. 1, 2, 3. Saute. Ok, on continue. Fréquence. 3, 2, 1. Saute. Ok. Fréquence. On continue. On lâche rien. Saute. Ok. On se détend. Alors attention, on va enchaîner des jumping jacks bas. On l'a jamais fait celui-là.
On part d'ici, toujours les pardon, les jambes serrées, et on enchaîne des petits jumping jacks. Mais regardez mes jambes. Les jambes sont fléchies. On charge un peu les cuisses. Ok? C'est parti. Ça charge les cuisses, pardon. Hop. C'est de la coordination. Hein. Des jumping jacks tout bas, comme si on était enfermé dans une boîte ou sous un tunnel et il n'y a pas de place. Chut. Allez, ça chauffe. Ouh, aïe, aïe. Allez, ok, on relâche. Ok, nouvel exercice, petit saut à la corde. Regardez, on fait du saut de corde invisible. Du air corde. Voilà, on bouge ses bras sur le côté. L'objectif, c'est de se bouger, là, on est en cardio. Voilà. Et avec les pieds, vous essayez de faire des petits mouvements de ciseaux. Devant, derrière. Comme si on sautait vraiment à la corde. Allez, on bouge les bras, les épaules. Allez, on fait du saut de corde. Ok, on continue. On continue. Une seconde. Ok, on relâche. On enchaîne des sprawls. On est ici. On envoie ici. Là. Ici, je ramène les jambes et je saute. Ok. Je suis en gainage sur les bras. Je ramène les deux pieds et je saute. Alors, on l'a déjà fait celui-là. On va chauffer un peu les épaules. Ok, on saute. Encore. Encore. Allez, 10 secondes. On lâche rien. Allez, on lâche pas 3 secondes. Allez, le dernier. Ok. On détend. Coup de pied devant. Allez, on est énervé, on tape. Bam, coup de pied, attention à la télé. On revient derrière. Coup de pied à gauche. Coup de pied à droite. Coup de pied à gauche. Encore. On fait deux petits pas et on envoie le pied. Deux petits pas. Hop, j'envoie le pied. Ok, on est bien droit. Allez. Devant. Bam. Encore. Bam. Bam. Allez, encore 5 secondes. Bim. Allez, coup de pied. Bam. Ok, on relâche. Mouvement du grimpeur, celui-ci, vous le connaissez. On est là sur les mains. D'accord ? Et je vais envoyer mes genoux entre les bras. Allez, on grimpe. On grimpe la falaise. Allez, on en bas, c'est le dernier. Le dernier en cardio. On souffle. Allez, tous ensemble. On inspire, on expire. Allez, on accélère. 3, 2, 1. Ok. Ok, super. Allez, on boit un petit coup. On a fini le cardio, donc bravo à tous. J'espère que pour l'instant tout le monde doit tenir. Je vais essayer de baisser un peu ma caméra là. J'ai l'impression que je suis vachement bas. Voilà, là je pense que c'est mieux là. Est-ce que ça va? Dites-moi, est-ce que tout le monde a sa gourde? On va attaquer les fessiers là. Mathilde, ça va? Nathan, est-ce que ça va? Dites-moi dans vos commentaires là. Inès, ça va Inès? Inès de 4-4? Attends, je regarde ta photo. Ça doit être Inès des 4e 4, ça, non? Cassandra, ça va, Cassandra? Ok. Est-ce que ça va pour l'instant, le cardio? Donc, on va pouvoir enchaîner. Alors, je vais juste changer. Allez, il reste à peu près une minute. On enchaîne sur du fessier. On va changer de musique pour se faire plaisir. On va changer un peu. Je ne sais pas si vous entendiez bien la musique. Hop. Musique. Allez, c'est parti, on va enchaîner du fessier. Petit travail de fessier, je vérifie. Voilà, donc c'est pareil, il y a six exercices, six petits exercices. On va travailler un peu les fesses latérales, les fesses aussi de derrière pour avoir des belles fesses cet été. Et puis, il faut le faire de toute façon aussi. Donc, on y va, c'est parti. En place, est-ce que tout le monde est prêt? La musique. Allez! 3, allez, c'est parti, 2, on prend son tapis. 1, allez, on est ici sur les fesses. Premier exercice, simplement, on va monter son genou, d'accord? Sa jambe droite, on commence par la jambe droite. On monte son talon vers le ciel pour travailler les fesses, le fessier postérieur. Allez, c'est parti. On lève son talon, on va attaquer après la jambe gauche. Ça va, c'est cool là. Hein. C'est un peu de la récupération, hein, les fesses. Hein. Ok, on change. Jambe gauche.
3, 2, 1. Okay, on est bien stable, écartez bien les bras. Voilà. Hop, on envoie juste. Là, on travaille au genou. Voilà, le talon doit monter un peu en arrière. Pour l'instant, même en diagonale, c'est pas très grave. Allez, on continue. Super. Allez, encore 10 secondes. Allez, 4, 3, 2, 1. Ok, on se replace sur ses deux pieds. Alors regardez, on laisse la fesse ici. Et simplement, on va ramener son talon, le genou, il ne descend plus. Ah, d'accord, le genou est parallèle au sol. Et simplement, je regarde devant et je ramène mon talon vers la fesse. Ok? Simplement. Allez, c'est parti. On va, c'est juste un petit exercice. De fessier postérieur, il reste 10 secondes, on lâche pas. On est sur la jambe droite. Regardez, ma jambe est tendue par rapport au sol. Hein. 5 secondes. Allez, 3, 2, 1. Ok, on change de jambe. Même chose. 3, 2, 1. Allez, je ramène. Allez, on ramène les jambes. On est toujours sur le fessier postérieur. Alors, on ramène le talon vers les fesses. Encore. En même temps, on muscle aussi les ischio-jambiers là. C'est le muscle qui est derrière le quadriceps. Allez, 10 secondes. Allez, soufflez bien. 5 secondes. 3, 2, 1. Ok, on va passer sur le coude gauche. Allez, vous mettez sur le coude gauche. Allez, on envoie. On met les mains sur les hanches. D'accord. Et on va envoyer la jambe très haut, le plus haut possible, d'accord. On travaille cette fois le fessier latéral, le côté des cuisses aussi et le côté des fesses. Vraiment, vous essayez d'avoir mal, donc pensez à bien boire. Ça commence à chauffer en principe. Hein. Allez, mettez la main sur la hanche, on est stable. Allez, 5 secondes, 4, 3, 2, 1. Ok, on change, coup de droit. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Work. Que ça va. J'espère que vous allez bien. Allez, encore. Allez, je ne vois pas du tout le chronomètre. Il reste 4 secondes. 3, 2, 1. Ok, on relâche. Alors, on détend un peu les fesses. Attention, on repart pour une deuxième série. On repart cette fois. Ici. On est à quatre pattes. C'est parti, on va tendre sa jambe en arrière. Et on va faire des petits battements. Simplement des petits battements de jambes tendues. D'accord, la pointe de pied est tendue vers l'arrière. Et je sens mon fessier qui se contracte derrière. Allez, c'est parti. Petit mouvement de jambe. Allez, on souffle. Allez, c'est la dernière série, c'est des petites séries, 30 secondes, donc ça va vite. Hein. En principe, ça doit aller vite. Donc, c'est pas pénible, d'accord. C'est de l'alternance. Hop, on change de jambe. 3, 2, 1. Allez, c'est parti, petit battement de jambe. C'est parti. Alors, on est toujours sur du fessier, là. Allez, on va le muscler, ce fessier. Moi, personnellement, ça me fait mal aux fesses le lendemain quand je fais du fessier. Je n'ai pas l'habitude de le travailler. Et le lendemain, j'ai beaucoup de courbatures au niveau des fesses. Allez, 5 secondes. 3, allez, on tient. 2, 1, ok, rest. On repasse ici. On repasse 3, ici. 2, c'est parti. 1, et cette fois, work. On va lever. On laisse le genou ici et on lève sa jambe en arrière le plus haut possible. Allez, c'est parti. Le genou est parallèle au sol. Je vais lever mon talon vers le ciel. Mais le genou ne descend pas. C'est juste un petit coup de pied vers le ciel. Allez, encore. Allez, 10 secondes. Voilà, le creuser. Essayez de ne pas trop creuser le dos. Hein. 5 secondes. Allez, on change. Top, c'est parti. On change de jambe. On part ici, on ne descend pas plus bas que là. La pointe. Le pied est en flexion. Voilà, et on tire. Allez, on tire le talon vers le ciel.
Allez, ça doit chauffer les fesses là. Hein. Allez, reste 15 secondes, on lâche pas. Allez, encore. Allez, on lâche rien. Allez, on lâche pas. Allez, 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 on tire. 5 secondes. Allez, 3, 2, 1. Ok, on repasse sur le coude gauche. Allez, on termine avec fessiers latéraux, main sur la hanche. Et c'est parti, on envoie les jambes quasiment tendues au plafond. Allez, soufflez avec moi tous ensemble. Bravo les élèves. Bravo les ormeaux. Bravo à ceux qui sont là régulièrement. Donc j'ai mis 11h30 là, vous avez vu toute la semaine. Parce que je commence après à 13h30 ou à 14h, ça dépend des jours. 11h30 comme ça, c'est pareil tous les jours. Allez, 3, 2, attention, 1, top au champ. Rest. Ah, je ne vois pas voir le chat bouger en principe 2, là. 1, les élèves là, work. Si vous travaillez, le chat il ne bouge pas. Il est vu se décaler là, ça veut dire qu'il y en a qui ont abandonné. Ou qui sont arrivés en retard. Allez. Levez bien les jambes. Allez, on travaille les fesses, ça va chauffer un peu là. Allez, encore 10 secondes. J'espère que ça va, soufflez bien. Allez, après on fait une pause et on attaque les abdos. Ok, super. Est-ce que ça va? Ça va, c'était pas violent là, les fessiers. Hein. Je suis Pierre-Lucas, 6ème 5. Bien Pierre-Lucas, j'avais pas de nouvelles. Justement, t'as ta prof principale qui m'a demandé des nouvelles, donc c'est bien que tu sois là, je vais lui dire. Allez, on attaque. On va attaquer dans une minute. Pensez à boire, étirez-vous un petit peu. Attention, on va faire 5 minutes d'abdominaux, voire 10 minutes ceux qui arrivent. On va essayer de la doubler, la faire deux fois la série d'abdos. Alors, hop, je vais rechanger encore de musique. Est-ce que ça va? J'espère que vous m'entendez parler là-bas. J'entends pas la musique, je vois pas grand-chose des fois avec le soleil. Donc j'espère que vous me voyez, ça c'est l'essentiel. Allez hop, on va mettre ça. Est-ce que ça va tout le monde? Dites-moi dans vos commentaires. Ça va? Cassandra, ça va? Vous avez pas trop mal aux fesses? Ça a été? Oui! Suzanne Lemével. Ah, coucou Suzanne, ça va? Allez, c'est parti, vous êtes prêts, on enchaîne les abdos. Attention les abdos, chacun à son rythme. Hein. Ça risque de faire mal. On va, allez, on va brûler là, cette graisse là, qu'on emmagasine tous les jours, surtout en confinement. Donc là, on va exploser la graisse. Vous êtes prêts? Allez, prenez vos tapis, prenez vos serviettes. C'est parti, on y va pour deux fois 5 minutes d'abdos. Okay. Alors, on a du son. Allez! 3, 2, allez, c'est parti, on attaque avec une planche. Allez, on est en planche. Allez, on tient. Attends, je vais juste baisser, continuer. Je vais juste baisser un peu le son, j'ai l'impression que c'est un peu fort. Chaque musique est un peu différente. Allez, on tient. Allez, c'est parti, on est en planche. 3, 2, 1, rest. Ok, on passe côté gauche. Planche latérale. 2, c'est parti. Donc soit la main sur la hanche, comme vous préférez, soit le bras ici en l'air. Donc soit c'est quand du mal, vous mettez la main au sol. Allez, on tient. Allez, c'est super, ceux qui sont là, au moins vous serez contents ce soir, vous aurez fait du sport. Vous serez bougé un petit peu. Un peu d'activation dans la journée, ça fait pas mal. Allez, 5 secondes. 3, 2, 1. Ok, on passe côté droit. On enchaîne. 3, l'autre côté, évidemment. 2, 1. Allez, c'est parti. Les mains sur la hanche. On n'est pas en banane, on lève bien les fesses. De ce côté-là, je ne vois pas le téléphone. Allez, après, je vous dis, on va passer sur les fesses. Sur la serviette, on va travailler un peu les abdos du bas. Attention, ok, on passe sur les fesses,
On met ses mains derrière le dos. Ok, on est en pédalage. Allez, c'est parti. On attaque le pédalage. Jambes semi-fléchies. Alors, on souffle bien. On va brûler les abdos du bas du ventre, là. La petite peau du ventre, là, que tout le monde veut perdre. Allez, c'est parti. On est en plein dessus, là. Allez, des grands mouvements, hein, des grands battements. On est stabilisé sur ses coudes. Soufflez bien. On inspire, on expire. Il reste 5 secondes. 2, 1. On restera dans la même position. On est dans la même position cette fois. On va partir les jambes tendues, les deux jambes en même temps. Allez, c'est parti. Et on explose les abdos du bas du ventre. Alors, leur fait mal. On veut perdre cette petite graisse là en bas du ventre. On a accumulé ou pas pendant le confinement. Ça dépend d'une personne. D'accord ? Et vous devez sentir que ça commence à chauffer un petit peu. Allez, on est toujours sur le bas du ventre là. Allez, encore, attention, 3 secondes. Ok, on revient ici. On est toujours sur le dos. On va envoyer le coude au genou inverse, d'accord ? Et on pédale. Allez, tac. Ok, droite, gauche. Ok, vous avez vu l'exercice ? Coude droit, genou gauche, c'est de la coordination. Allez, encore. Allez, ça doit commencer à chauffer. Chacun a son rythme. Si vous pouvez le faire à cette vitesse-là, vous pouvez. Hein. Aucun problème. Vous avez vu, chacun travaille. Tout le monde bosse. D'accord, à son rythme. Hein. Ok, on revient sur les coudes. Allez, on est en planche ici sur les coudes. Les genoux sont parallèles, les pieds aussi. Et on va simplement avancer un petit peu les pieds. Allez, on continue. Ne vous inquiétez pas, le chrono. C'est pas la bonne série, c'est pas grave, on continue comme ça. Allez, on est toujours en planche. On fait des petites avancées en avant et en arrière sur la pointe des pieds. Ceux qui ont du mal, vous restez en statique. D'accord ? Simplement ici, mais on tient. L'objectif, c'est de tenir au moins la première série. Il reste 3 exercices pour la tenir, la première. Allez, on tient, on tient, on tient. Il reste 5 secondes. 3, 2, 1. On repasse sur les fesses. On est en rameur cette fois, vous vous rappelez celui-ci. Ici, on a les bras tendus, on vient toucher ses pieds et on repart. Allez. C'est bien. Je touche mes pieds et je repars. Allez, je touche mes chaussures et je repars. Encore. Allez, encore. C'est bien les élèves, bravo. Bravo à tous pour vos efforts. Félicitations. Allez, ça doit commencer à chauffer. C'est bon signe. Allez, 5 secondes. Ok, on repasse sur les mains. Cette fois, on va être en climber. Ici. Ok, c'est parti. Hop. Allez. On est dynamique. On est en gainage dynamique. Ça muscle aussi un petit peu les épaules. Hein. Il y en a qui peuvent avoir mal aux épaules. C'est normal. Ah bah, il y a le chat qui vient de passer. Allez. On lève les genoux. Allez, ça doit commencer à chauffer là. C'est pas le moment de lâcher, il reste 5 secondes. 3, 2, 1. Allez, on repart ici, toujours sur les mains. On est ici sur les pieds, cette fois on va envoyer le genou derrière le bras. Ok, ici. Allez, encore. Allez, c'est le dernier, on lâche pas. Il reste plus que 24 secondes. C'est pas le moment de lâcher. Allez, on souffle bien. Allez, ça doit commencer à faire mal aux abdos. J'espère chez vous aussi. Moi, ça commence à tirer un peu. Donc, j'espère que vous aussi, vous commencez à travailler vos abdos là. Allez. Allez, on souffle. Allez, il reste 3 secondes. Ok. Allez, on relâche. On fait une petite pause. On refait le circuit une fois pour les plus téméraires. Et je sais qu'il y en a parmi vous. Allez, je vais remettre. Attention, on attaque dans même pas une minute. On essaye d'enchaîner. Alors, je vais simplement changer les cycles. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, on fait une petite pause quand même entre les deux. Sinon, il y en a qui ne vont pas tenir là. Sully, tu es un peu en retard, Zoé a dit. Hein. Peut-être qu'il ne savait pas, Sully, que ça avait changé d'horaire. C'est pas grave, Sully, tu rattraperas. La vidéo sera en ligne de toute façon. Allez, il reste 30 secondes. Attention. Attention, les élèves, vous êtes prêts?
Dernière série d'abdos. On refait tout. On craque pas. Ok. C'est parti. Prepare. Allez, on y va. Allez, on y va. On enchaîne là. Allez, on envoie les abdos là. On commence par la planche. 3, 2, 1. C'est parti. Moi aussi, je commence à avoir mal. On va souffrir ensemble. Allez, c'est la dernière série. On aura fait une demi-heure encore aujourd'hui d'exercice. Donc, bravo. Allez, reste plus que 5 minutes. C'est rien du tout, 5 minutes. Vous pourrez être content. Vous aurez fait 10 minutes d'abdos. C'est super. Allez, 5 secondes. 3, 2, on passe sur le coude gauche. Rest. Ok. 3, 2, 1. Allez, c'est parti, coude gauche. Voilà, ceux qui sont à l'aise, vous pouvez enchaîner des petits mouvements de bassin là. Ceux qui sentent, c'est un peu ça va. D'accord. Les autres, vous restez en statique surtout. Je vous ai dit, l'objectif c'est de tenir la dernière séance, là. La dernière série, pardon. Les autres, on peut faire des petits mouvements du bassin, voilà, pour compliquer un peu le gainage. On est en gainage dynamique. Allez, il reste 10 secondes. Wouh, c'est bien. 3, 2, 1. Allez, on change. Plus droit. 3, 2, 1. Work. N'oubliez pas de me mettre un petit message sur le Padlet en dessous de la vidéo quand elle sera en ligne. Je sais pas quand je vais la mettre, cet après-midi ou demain. Ou même sur le lien que j'ai mis là aujourd'hui. D'accord, pour me rappeler qui était là, parce que des fois vous avez des surnoms. Et je valide vos compétences comme ça, ok? Mais en même temps, je sais qui était sur le chat. Allez, on est là pour se faire plaisir, on fait des exercices. Ok, chacun a son rythme. Allez, on enchaîne. On est en pédalage. C'est parti, les jambes tendues. Chemise fléchie. On travaille les abdos du bras. Allez, c'est parti. Allez, on inspire, on expire. Allez, encore 5 secondes. Bravo. Allez, on enchaîne. Ok, on récupère un tout petit peu, on se place. On enchaîne ici avec le coude opposé au genou. Et du pédalage, on va toucher avec son coude. Allez, encore. Allez, on a mal, c'est bien, il fait mal. C'est pas pour vous, mais on s'en fout un peu. Si on part mal, c'est pas évident. Je vous avoue. Allez, il reste 10 secondes. Allez, encore. 3, 2, 1. Ok, on passe sur les coudes. Three, cette fois, on est en planche. One, ok, la petite planche. On avance ses talons. Pardon. Et sur la pointe de pied, oui, on avance les talons de derrière à devant. Voilà, on bascule sur les pointes de pied. Allez, on chauffe. Il ne reste plus que 3 exercices. C'est pas le moment de craquer. Hein. Allez, allez encore les élèves, bravo. Plus que 3 exercices, on tient, on souffre ensemble. Allez, vous me direz dans vos commentaires comment c'était. Ok, on repasse sur les fesses. On est en rabat. Le fameux rameur. Ici, on tend les bras. Allez, on va toucher ses chaussures. On essaie de toucher derrière les chaussures ou ses chaussettes. Je ne sais pas comment vous êtes. Allez, on va toucher tous les chevilles, ceux qui n'y arrivent pas. Allez, ceux qui ont du mal, vous pouvez simplement vous mettre ici. D'accord? Et faire des petits mouvements comme ça sur les coudes. On ramène ses genoux jusqu'au visage. Ok? Les autres, on continue en rameur. Allez. 3. 2, 1, rest. Ok, attention, on passe sur les bras. Three, on two, est en one, climbers. Work. C'est parti. Allez, on enchaîne. Gainage dynamique. Les pieds arrivent au même endroit, on envoie ses genoux, on regarde devant si c'est possible. On est gainé, montez pas les fesses trop haut, d'accord, ni trop bas. On est simplement, on essaie d'avoir le bassin parallèle au sol. Allez, on tient. Allez, chacun sourit. Allez, il reste plus que 5 secondes, les élèves. 3, 2, 1. Ok, rest. On pose un peu les genoux, attention. Three, on termine par du Superman. One, allez, c'est work. Parti. Tac.
Allez, on va tirer ton genou. C'est le dernier exo, on tient. Allez, on lâche pas, c'est pas le moment. Allez, plus que 15 secondes. Allez, encore. 10 secondes. Allez, les élèves, bravo. 5, 4, 2, 1. Ok, super. 3, 2, 1. Work. Yes. Bravo à tous. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va dans les commentaires? Ok, Aude. Ok, Kyrian. Il m'avait dit ok, go. Est-ce que tout le monde a réussi à faire les deux séries d'abdos? Ah, le dernier, il était efficace, ouais. La dernière série, Sully. En même temps, t'as pas fait les autres avant, il me semble. Martin, t'as mal. Ça va, mais moins bien qu'au début. Ah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, Cassandra, c'est normal que ça soit un peu dur, là. La deuxième série, en fait, c'est celle-là la plus efficace. En vrai, le muscle a vraiment le temps de s'habituer à l'effort. Et c'est vraiment dans la régularité que vous allez vraiment progresser. Ça m'a tué, Inès. C'est Inès des 4x4 ? Dis-moi, Inès. Inès 2201, c'est 4x4 ? Ah, Zoé, cool. Eh, beaucoup de 4x4, là, c'est bien, hein, c'est top, hein, bravo. Hein. Faites de la pub à vos copains, copines autour de vous. Je pense qu'il y en a qui ne savent pas qu'il y a un live. Et du coup, il y en a, ils ratent des bonnes séances de sport qui pourraient leur être bien bénéfiques. Ah, c'est Inès des 4x3, ok. Coucou Inès. Donc, n'oubliez pas de me laisser un petit message sur le Padlet, d'accord, dès que vous avez le temps, pour dire super, voilà, on y était, Sully 4e 1 par exemple, Sully super séance, et puis hop, vous mettez juste ça, super séance, merci, et puis hop, comme ça je saurai, et surtout mettez votre prénom et votre classe, comme ça je saurai qui a participé au chat, parce que des fois, je ne connais pas tout le monde. Donc, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, on se retrouve demain à 11h30. Pour de nouveau une bonne petite séance tous ensemble. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et puis passez une bonne journée. Bye bye.